Bonjour, je m'appelle Alexandre Armange, j'ai 26 ans. Je suis cofondateur et responsable commercial de Digifood, la première plateforme web et mobile qui permet à ses utilisateurs de se restaurer sans bouger de sa place dans les lieux et événements à forte affluence. On a un service à vocation B2B2C pour permettre à ses organisateurs et aux distributeurs de proposer une expérience différente et enrichissante pour tous les participants de ces événements et lieux à forte affluence, pour leur permettre de se restaurer sans inconvénient, c'est-à-dire en évitant la queue interminable qu'on peut connaître aux différents points de vente et de restauration. Aujourd'hui, Digifood, ça a été initialement testé dans les enceintes sportives, puisque en tant que fan de sport, c'est là où nous avons imaginé la solution dans un premier temps. On savait qu'à la mi-temps, c'est le moment où tous les spectateurs se lèvent comme un seul homme pour aller se restaurer. Et il y avait vraiment un besoin des deux côtés, restaurateurs comme consommateurs, d'un besoin d'innovation à ce niveau-là. Alors, la BFM Academy, pour nous, c'est un peu finalement l'apogée, médiatiquement en tout cas, puisque on a beaucoup travaillé cette année pour justement faire connaître la solution auprès des différents partenaires et même auprès des consommateurs. Pour nous, c'est une visibilité énorme et vraiment, on est hyper fiers chez Digifood d'avoir remporté cette compétition. Ce qui me motive dans l'entrepreneuriat, je dirais que c'est finalement la galère quotidienne. C'est beaucoup plus simple de vivre dans un challenge permanent. Je pense que l'enthousiasme qu'on y met nous fait persévérer tous les jours un peu plus et nous donne confiance dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on a la possibilité de réaliser des choses exceptionnelles humainement et qui nous serviront pour plus tard. J'apprends aujourd'hui 100 fois plus que ce que je n'avais appris précédemment dans des grosses structures.